Oh, ma mère, elle voyait surtout, elle était cauchoise, elle voyait le côté églisien. Et dès que j'ai étudié, pour elle, c'était sérieux, parce qu'un prêtre doit être savant. N'est-ce pas? À une époque où on avait beaucoup de mal à vivre, eh bien, si je revenais de Rouen et que je m'étais laissé tenter à acheter un ouvrage quelconque, une plaquette quelconque, d'histoire ou même de théologie, jamais elle n'aurait fait une remarque en disant « on n'a pas de quoi finir le mois et tu dépenses de l'argent à ces choses-là ». Pour elle, c'était sérieux. Les curés sont toujours passionnés pour l'histoire et c'était naturel d'abord parce que, au fond, la religion c'est une tradition. Et même au séminaire, on nous demandait de tenir les annales de la paroisse comme ça, au jour le jour. Alors on notait les offices, etc. Et aussi les incidents qui pouvaient se produire dans le village. Alors, en reprenant tous ces registres passés, on peut arriver à raconter l'histoire du village. Il y a une chose qui est drôle dans ce village, c'est qu'il y a eu la Révolution, mais avant, il y avait eu la guerre de Cent Ans. Quand on prend l'église d'ici, on s'aperçoit que c'est une église du XVIe siècle. Vous savez, Henri V d'Angleterre, il est débarqué au Havre, on l'a oublié, ça. D'ailleurs, c'était pas le Havre, il n'existait pas encore, mais dans le Marais qui était à la place du Havre, et il a envahi toute la région. Il est monté jusqu'à Azincourt, et ça, tout le monde le sait. Mais il s'est pas contenté de passer, ils ont mis le feu partout. Et alors, la plupart des églises de campagne étaient couvertes en chaume. Le chaume, ça brûle bien. Alors les églises ont brûlé, sauf le clocher, qui dans l'incendie s'est transformé en cheminée, ça fait appel d'air. C'est pourquoi, quand on a reconstruit, après la guerre de Cent Ans, la plupart de nos églises ont un clocher du 11e, 12e ou 13e, et le reste de l'église a été refaite au 16e. C'est un peu l'histoire de tout le pays de Caux, vous savez. Après la guerre de Cent Ans, un village comme celui-là avait perdu 80% de sa population. Il n'y avait plus personne. Les maisons s'étaient écroulées. Il n'y avait que des gens qui erraient de droite et de gauche, qui pillaient. J'ai même dans un de mes desservices un brave type qui avait pris un cheval, volé un cheval, on se croirait dans un western. Il avait pris un cheval et il a été arrêté, roué à Rouen et il est mort sur la roue. À Rouen, pour avoir volé un cheval à la fin de la guerre de Cent Ans. C'était la misère. Alors après, on a reconstruit. Et c'est ainsi qu'est né ce paysage que nous avons aujourd'hui. Alors dans chaque village, on notait des petits détails, des petites choses, des riens, quoi, qui n'intéressent personne, mais qui intéressent celui qui aime le passé, vous savez. Le passé, c'est l'histoire au jour le jour. Quand je suis arrivé, on m'a dit être une sorcière. Il fallait se méfier d'elle, elle avait le grand Albert. C'est le livre de sorcellerie, celui-là. Ça, ça a été un de mes pendus. Il a voulu se pendre dans la grange du maire. Pour avoir une fin honorable. Oui, quand je l'ai dit à sa femme, elle m'a dit heureusement qu'il s'est projeté à la citerne. À une époque de sécheresse comme la nôtre, actuellement, on n'aurait plus d'eau plus la fin de la saison. En été, c'est la pendaison, l'hiver, c'est la noyade. Et puis là, c'est les places devant la porte. Alors,
les places qui sont recherchées, parce que il y a deux places recherchées dans un cimetière chez nous, à côté du calvaire, mais c'est plutôt réservé au curé, et puis devant la porte, comme ça. Parce que si bien que les gens, quand ils passent le dimanche, quand il y a des processions, si vous voulez, au rameau, on passait devant ces tombes-là, alors ça faisait... C'était les gens les plus honorables qui se mettaient là, et puis par la suite, bien, tout le monde a cherché à s'y mettre. Dès qu'il y avait une place de libre, on s'y battait exactement comme pour l'église, pour les bancs. Ça, c'est elle qui me faisait visiter le cimetière quand j'étais jeune prêtre, qui faisait un petit peu ce que je fais tout de suite, et qui, à chaque tour, me disait, vous parle pas ce style-là, c'était un drôle, on peut pas dire ça à un prêtre. Là, il y en avait une, là, elle était mourante, et puis je suis arrivé pour lui donner les sacrements, et puis le bonhomme m'a dit, oh, elle n'a pas encore le temps, elle n'est pas tout à fait morte. C'est à qui ne sera pas honneur. Et vous remarquerez qu'honneur, il y a beaucoup de tombes de petits-enfants. Vous voyez, les anges, là, c'est toujours des petits-enfants. Mais comme il n'y a plus de mortalité enfantine, on n'enterre presque plus honneur. Et les gens se défendent, ils disent, oh, surtout ne me mettez pas honneur, il fait trop froid. Là, il y a un petit gosse qui était un dur, comme on dit toujours chez nous, et qui en fait n'était pas un dur, qui était un bon gosse, mais qui avait du caractère un peu plus, qui était plus vieux que son âge. Et ce gosse, il a sauté sur un baril d'essence. Il a été tué comme ça. Je sais pas qui c'est ça. Il y en a comme ça, j'oublie, hein. Avec le temps. Il est arrivé, il descendait avec sa carriole. Puis il arrivait à la hauteur de la forge, il criait « Genre, 8 ans, j'ai fait la calipette !» Ça signifie qu'il avait gagné 50% sur sa bête. Alors il emmenait Georges au café chez le P de Haye. Et puis, alors moi, un jour, au début, j'étais jeune curé, peut-être un peu plein d'illusions. Je me dis, au fond, c'est pas très honnête son histoire, parce que il vend des chevaux sans s'occuper des vis rédhibitoires. Il refile ça à tout le monde. D'ailleurs, il avait un argument, tu sais, quand il voulait vendre une bête, puis que le gars voulait pas, il disait, comment, tu veux pas m'acheter cette bête-là? Son père était un étalon. Alors lui, pour lui, c'était l'argument. C'était une référence. C'était la référence. Oui, c'était pour... Et alors, il arrivait comme ça, puis un jour, je lui dis, donc, prenez-nous gentiment, pas très honnête, votre affaire, enfin, vous venez à la messe le dimanche, vous voulez être chrétien, voler les gens comme ça, c'est pas honnête. Alors il me regarde, puis il me dit, mais, voler, attendez, vous avez fait des études, vous? Ben, j'ai dit oui, j'en ai fait un peu. Puis il me dit, vous savez compter? Oh, ben, j'ai dit oui, c'est... Oui, je comptais, quoi. Et il dit, elle a... Mais j'ai pas fait d'études, je sais pas compter. Bien, monsieur le curé, quand on est dans les affaires, puis quand on sait pas compter, faut prendre des marches. Oui, ça me rappelle ma centenaire. Ma centenaire de Diableron qui me dit comme ça, me dit, mais... Les jeunes de maintenant, ben, ça n'est pas facile pour les prêtres. Et pourquoi vous dites ça? Mais dit, veillez pas avec leur balle, tout ça est une honte. Pour nos vieux curés qui auraient permis ça. Puis Astaire, un moment, puis avec que je prends du tout au même point de vue sur la chose, elle me dit pas, puis on est peut-être dû pour les jeunes. Alors, j'ai dit, oui, ça arrive quelquefois. Elle me dit, parce que notre temps, nous, il n'y avait pas de balle, ben, il y avait le mois de Marie. C'était une belle fête, le mois de Marie, oh là là. On y allait, les jeunes gens, les jeunes filles, tout ça, c'était bien. Et avec un humour terrible, cette femme qui était centenaire, elle la joute, a dit oui. Monsieur le curé, je suis bien obligé de vous le dire. Ben, c'est comme ça que j'ai été enceinte de ma première. Bien arrivé. C'était bien, oui. Oui, c'était au début de mon ministère, il y avait peut-être 6 semaines que j'étais curé de Watteau. Un soir, on m'appelle. Il faisait mauvais, je me souviens qu'il pleuvait. Un homme avait mis sa bicyclette contre le mur du presbytère, il est entré.
Il m'a dit simplement, sans autre formalité, la petite va pas. J'ai pris mon manteau, je l'ai suivi dans la nuit. Et puis, on a gagné sa maison. C'était une maison basse, comme les maisons de chez nous, enfouie, enfoncée dans la terre. Une maison humide. Quand on a poussé la porte, il n'y avait pas de lumière, il y a juste quelques boissettes qui fumaillaient dans l'âtre. Et disons que j'étais pris à la gorge par la fumée qui envahissait la pièce. Les murs étaient brillants, le gel, le froid. Et puis, la femme était près de l'âtre. Lui, il disait rien, l'homme. Elle m'a amené vers le petit, elle a levé le drap. Tant bien que mal, j'ai vu que le petit avait le nez serré. J'ai dit, il va pas, votre petit, vous avez vu le médecin, que dit-il? Bah, il dit, on n'a pas besoin de médecin, puisqu'on est allé vous chercher. J'ai dit, moi, je suis pas là pour ça, je peux prier le bon Dieu pour lui, mais c'est le médecin qui doit le soigner. Ah bah, alors là, vous êtes bien un nouveau prêtre, vous. Croyez à rien, vous. J'ai dit, écoutez, madame, j'ai essayé de me défendre, essayé de la pousser à appeler le médecin, je ne savais plus où j'en étais, d'ailleurs, moi-même. Et puis, j'ai fait une prière, puis après, je suis revenu à ma première idée, je lui ai dit, j'espère que vous allez appeler le médecin maintenant. Et j'ai gagné la porte. Je suis rentré au presbytère, il pleuvait toujours. Je suis rentré chez moi, j'ai rien dit à ma mère, je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je suis retourné. Le temps n'était pas meilleur. Au loin, quand je suis arrivé près de la maison, j'ai vu la voiture. C'était la voiture du médecin. D'une certaine façon, j'étais satisfait. J'ai dit, enfin, ils ont été le chercher. Quand j'ai poussé la porte, il y avait la table. Et puis, le médecin était assis. Il faisait l'acte de décès. Il faisait ça très dignement. Il avait son chapeau retourné, ses gants dedans. Et il écrivait majestueusement de très belles lettres. D'ailleurs, c'était soigné, calligraphié. Il a signé, il a mis le chapeau à son stylo et il a donné la feuille à la dame, à la mère. Il s'est levé, pris son chapeau, puis il m'a dit « Avez-vous un instant, monsieur le curé? Voulez-vous me suivre ?» Alors je l'ai suivi. On est rentré dans sa voiture. Comme il pleuvait toujours, il a mis les essuie-glaces. Il m'a dit « Vous avez eu des ennuis hier, on vous a fait venir. Je devine ce qu'on vous a dit. » Est-ce que vous avez dit? Vous avez dit qu'il fallait aller chercher le médecin. Oui, c'était normal. C'était normal pour vous, monsieur le curé. Mais pas pour elle. Vous savez, monsieur le curé, vous êtes dans la campagne. Les gens, ils ont des idées. Et il faut toujours partir de leurs idées pour les amener doucement à la vérité. Enfin, je vais vous dire une chose, monsieur le curé. Si vous m'aviez appelé hier, c'était déjà trop tard. La petite était perdue. Oui. Le temps qu'il fait. Mettre une plôte. Oui, on allait chercher l'eau à la citerne avec ça. Mais... Oui, ma petite frère. Frère, oui. C'était du travail. Mais oui. Les jeunes, ils n'ont pas connu ça. Non. Yeah.
apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Agneau de Dieu. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.